Salut tout le monde et bienvenue sur Pasta Rocket, c'est Swigs, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour un nouveau défi Offworld. Donc vous l'avez vu cette fois, deux joueurs, c'est radicalement différent de la dernière fois où nous étions 6 au total. Ça va être beaucoup moins sport, mais ceci dit, là les ressources, il n'y a vraiment pas grand chose, une seule ressource de fer. La ressource d'aluminium, elle est où? Ouais, elle est à 15 milliards de kilomètres. Où est-ce qu'il y en a des deux? Ah, il y en avait une à côté. Je l'ai vue, elle est là. Carbone, carbone. Ok, c'est là. Silicium, c'est hyper loin. Ah, il y en a une de deux ici. Ok, bon, bah écoutez, on va se mettre ici. On va patienter un tout petit peu. On va prendre un peu de risque, au risque qu'ils nous prennent notre place pour accumuler un petit peu d'argent. Et hop, allez, on y va. Voilà, ça c'est fait. Donc pour l'instant, deux aciéries. Une mine de fer. Et après, prochain niveau, peut-être une mine d'aluminium plus du carbone. Puisqu'après, il va falloir, je pense que je vais partir sur de la production de composants électroniques. Donc faudra aussi faire du silicium. Pas oublier de faire une éolienne. Enfin, bref, beaucoup de choses au programme. Voilà, regardez, déjà, on passe le niveau 2. Ça va nous permettre de poser notre mine d'aluminium et notre mine de carbone. Ok, ça c'est fait, nickel. On va attendre un tout petit peu. Pour l'instant, il nous manque 2 000 $ pour avoir notre éolienne. Ok, et lui, de son côté, il en est où? Il a posé deux aciéries. Très bien. Donc une mine de métal. Classique. Ok, bon bah écoutez, en plus de ça, il est pas très très loin de nous. J'espère qu'il va pas s'amuser à venir poser des mines autour de nous. Ça serait bien. Quand même. On va vendre notre silicium, mais pas notre carbone, parce que le carbone, on en a besoin pour l'éolienne. Donc on va éviter de gaspiller de la ressource. 1560. Ok, si du carbone pouvait se ramener rapidement, ça serait bien. Ok, ça part, parfait. On va voir ce qu'il faut pour passer le niveau supérieur en aluminium. On va peut-être pouvoir revendre un petit peu d'aluminium pour pouvoir faire notre éolienne. On attend aussi notre carbone, voilà, qui arrive. Nickel. Allez. Non, moi c'est l'éolienne que je veux. Voilà. C'est chose faite. Il va nous manquer 1265 pour passer notre QG supérieur. 1020 même. 1020, 1020. Ok, 460. On va attendre un autre chargement. Voilà, il arrive, il est là. Et ça devrait normalement nous permettre de passer le niveau supérieur. 140, ok, nickel. Allez, on fait. Ah, il nous manque encore 800. Il nous manque encore combien? Combien il nous manque? 840. Ok, il nous manque 840 $ pour pouvoir faire notre troisième aciérie. Et lui, il s'amène, il vient nous poser comme ça, comme si de rien n'était. Une géothermie. Très bien! Oh, et en plus de ça, il nous immobilise. Ok. Donc va falloir rapidement. Notre silicium, hop, voilà, on le pose. Il va falloir rapidement, puisqu'il est là, lui poser une mutinerie sur le coin de la bouche, histoire de le calmer. Ça pourrait être pas mal. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Eh bien, pour ça, il nous a immobilisé quand même. Hop. Une mutinerie, ça c'est fait. On va lui faire monter un petit peu sa dette. J'espère qu'il va pas nous la laisser. Voilà, c'est bon, il l'a pris.
Allez, peut-être, voilà, un de plus. On ne monte pas plus parce que sinon c'est un coup à ce qu'il abandonne et qu'on se retrouve nous avec 12 000 de dettes supplémentaires. Il va nous manquer 1 000 dans 55 secondes pour lancer une décharge d'adrénaline. On va lancer ça, étant donné que le cours est au plus haut, histoire de générer un maximum de blé. Ok, 3 000, c'est bon, on a ce qu'il faut, parfait. On attend 37 secondes, et dans 37 secondes, hop, on booste ça pour booster notre revenu. Et lui, normalement, il doit manger de la dette sévère. Et ouais, effectivement, il est à moins 55 000. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il descend, il descend, il descend à donf. Allez, 21 secondes, et on booste. Parfait. Et nous, eh bien, en plus de ça, dans la foulée, on va quasiment pouvoir passer à un niveau supplémentaire. On va même le faire maintenant. Et là, on va sortir une décharge d'adrénaline. Allez, 2 secondes. Hop, et voilà, c'est lancé plus 1 400 $. Là, ça va être festival. Et donc, nous, en attendant, on pose 3 usines de composants électroniques. Ça, c'est fait. Et on va poser une autre éolienne pour la suite des aventures. Et on en profite pour racheter un petit peu des parts du gâteau. Pendant que le cours de l'énergie, lui, se casse complètement la figure. Ça, c'est pas cool. Ça aurait été bien que ça reste assez élevé là et qu'on le bouffe complètement. Ok, on va lui ressortir une petite mutinerie, je pense. Ça pourrait être pas mal. Et nous, nos composants électroniques. Voilà, allez, hop, mutinerie. Ah, quoique j'aurais peut-être dû éviter. On est à 43 $ le cours. Hein, ça. Là, j'ai gaspillé de l'argent pour rien, là. Dommage. Dommage. Alors, nous, eh bien, écoutez, on va sortir de l'eau et on va produire un petit peu d'oxygène et de carburant. Je pense que ajouter à cela un petit marché off-world et là ça pourrait être parfait. Une fois qu'on va vendre tous nos composants électroniques, le cours est à 128 $, donc ça pourrait être pas mal. Et lui, il en est où? Bah écoutez, il est à moins 83 000. Et nous, notre fer, hop, on va le vendre. On va vendre aussi notre silicium. On va avoir de l'eau qu'on va pouvoir vendre aussi. Il va nous manquer 58 000. On va vendre de l'eau, construire notre marché of world, et puis ça sera pas trop mal. Et lui, eh bien, il se casse la figure au niveau du cours. Ça, c'est nickel. Il descend petit à petit. Ah, j'aurais pas dû vendre les composants, j'en ai besoin pour le marché off-world. Nawak. Scientific colony expanded. Allez, 48 000, il nous manque encore 13 000. C'est fait, hop, on pose avant que lui remonte et après, eh bien, on va pouvoir vendre notre eau.
va attendre tranquillement. Oh, il vient nous poser. Ah ouais. D'accord, ok. Eh bien, on va lancer, hop, des pirates. Comme ça, son réacteur à électrolyse. Hop, on va lui faire payer un petit peu. Qui va le choper. Ouais, voilà, c'est bon, il est monté au-dessus. Moins 90 000, il devrait encore manger au niveau du cours. Donc ça, nickel. Par contre, le cours de nos composants électroniques, c'est vraiment raplapla. Allez, notre marché, bientôt. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas la barre de... Ah si, 68%, ok. Bon, bah écoutez, ça avance tranquillement. Ça avance tranquillement et nous, en attendant, on va vendre notre fer et notre acier. Ok. On n'a pas grand-chose d'autre. Ah et voilà, ça c'est vendu. Et donc, du coup, on va vendre, eh bien, on va vendre notre oxygène. Il est en grade C, ok, moins 108 000. Très bien. Est-ce qu'il y a moyen qu'on l'embête un petit peu? Ah bah ouais, il y a peut-être moyen qu'on l'embête. Il y a peut-être moyen qu'on l'embête. On va peut-être sortir des pirates ici, là. Voilà. On va lui choper un petit peu de la bouffe. Et là, on n'a plus qu'à jouer du marché off-world pour lui faire la nique. J'aurais peut-être dû profiter tout à l'heure qu'il était si bas pour le bouffer un peu plus. Voilà, on prend de l'argent, ça c'est bien. C'est très bien même. Ça aurait été peut-être pas mal. Qu'est-ce que je peux péter là? Alors le fer, non, il remonte. Qu'est-ce que j'ai au plus bas là? L'aluminium. Non, l'aluminium, j'en ai besoin pour les composants électroniques, le carbone aussi. Malheureusement, là, ça aurait été bien que je fasse un laboratoire d'ingénierie pour booster ma production d'oxygène. Alors, machine pensante. Il va vouloir acheter, évidemment, évidemment. Hop, nous on continue. Et il nous manque 222 000. Et ben 222 000 à coup de marché off-world, là, il va falloir accélérer un petit peu. Ouf, j'ai pris la dette. Vous voyez, à force de trop jouer à ça, on finit par se brûler. Ouais, mais je produis que dalle. Ça va être long, là, d'attendre autant. 224 000 pour l'avoir. Jour solaire 5. Ok, bon, on va faire avec. B, ah oui, il commence à remonter en plus au niveau du grade. Il était D, il est à moins 123 000 de dette. Et il est toujours à B. Enfin, il a réussi à remonter à B. C'est... C'est Zarbi. Enfin, et là, il y a tout qui se casse la gueule au niveau du cours. Hein. C'est un truc de ouf. Même mes composants électroniques sont à 50. On va faire peut-être. Allez. On va booster un peu le tout. Ça va nous permettre déjà aussi de booster notre marché off-world. 231 000. Bah oui, parce que lui, il continue d'augmenter, évidemment. Ça serait trop beau que tout s'arrête. 35, le cours. Le cours remonte. Pour le silicium. Mais il n'y a rien d'extraordinairement haut. Hein. Alors l'eau, elle, commence à remonter aussi. Et on est à plus 28 000 seulement pour l'eau. Donc
Là, il n'y a vraiment que l'oxygène. Et imaginez, c'est 50K pour de la bouffe et je n'en fais pas. Bon, dommage. En attendant, nous, on va vendre un peu d'eau. On va vendre notre acier. Ah, ça, c'est bien le silicium là qui mange. Lui, il passe seulement niveau 5. Ok. Bon, notre silicium, il continue de monter. Ça, c'est good, good, good. 243K. Bon, bah écoutez, ah, c'est dommage. Au niveau des jours solaires, on a pris du retard. J'aurais dû booster bien avant la production d'oxygène. Là, j'ai fait un mauvais choix stratégique. 257. Ok, ça continue de monter. Laboratoire d'ingénierie. Ok, est-ce qu'il va aller le chercher? Il va le chercher, très bien. Encore un coup? Non, allez, pas encore un coup. On va le laisser moins. Il est encore pire. Ah, il repasse gratter. Alors, son cours va baisser. Ça, c'est plutôt pas mal. En attendant, on va vendre, nous, ce que nous avons à vendre. Ok, 212K. Bon, bah, ça devrait être... Là, ça devrait être plutôt good. Au prochain, on peut racheter normalement. Attention, attention, hop, on s'envole, on vend et on rachète. Et voilà, les amis, et bien écoutez, nouveau défi relevé. J'espère que ça vous aura plu. Petites erreurs tactiques de mon côté, ça c'est assez couillon. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, mettre des petits pouces bleus. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien et à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!